Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Ce nouveau Blue Rang fera-t-il de nouveaux milliardaires ou millionnaires? Nous allons parler du projet Shiba et aussi du projet TokenFi dans cette vidéo. Nous allons parler aussi du Bitcoin et de tout ce qui engendre ce marché-là actuellement. Donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, abonne-toi rapidement pour avoir les bonnes informations. Tu le sais très bien, il faut être au bon endroit. Et le bon endroit, c'est où? C'est ici sur Cliquez pour gagner. Je tiens à remercier tous les abonnés, tous les nouveaux abonnés, toutes les personnes qui partagent les vidéos, toutes les personnes qui aiment les vidéos. Notre chaîne est en train de grandir à la vitesse lumière à cause du travail que nous sommes en train de battre ici. Donc, ensemble, nous irons loin. Alors donc, nous allons commencer avec cette information. Les gars, nous sommes en train de voir le Bitcoin qui descend en dessous de 12 000, de 11 000, le Bitcoin en dessous de 69 000, 68 000 actuellement, le Bitcoin qui fait moins 4%. Or, la nouvelle semble être très bonne, j'ai dit très bonne, mais pourquoi le Bitcoin descend? Les gars, c'est ça le mystère de ce Blue Rang. C'est ça le mystère de ce Blue Rang. Un de nos rédacteurs a fait un article, le Blue Rang de 2024, toujours sur le site de Cliquez pour gagner, d'accord? Donc, on nous parle du combat entre les bulles et les bears. Donc, ça continue. Ce combat-là continue pour ceux qui attendent que le marché baisse. Les mineurs sont en sueur, en quelque sorte. Hein? C'est un deal sur ce marché. Venez lire cet article-là sur le site cliquezpourgagner.com, d'accord? Pour mieux comprendre. Et au même moment, nous sommes. Et, non, affaire de Bitcoin-là, c'est affaire de crise cardiaque. Hein? Si. Non, les gars, soyez sincères. Si quelqu'un a une maladie cardiaque, et ne le conseille même pas de rentrer en crypto. Parce que les crypto-monnaies vont le tuer avant même son jour de mort. Je vous jure, ce n'est pas du jeu en crypto. Hein. Les gens pensent qu'on se fait de l'argent facilement. Le Bitcoin qui était récemment à 11 000, 72 000, 72 000 dollars, voire 74 000 presque dollars, après elle est revenue à combien? À 61 000. Elle est repartie à 72 000. Elle redescend encore à 67 000. Mais les gars, ce n'est pas n'importe qui. Hein. Donc, je suis sûr que toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es appelé à la réussite. Tu es appelé à faire succès dans cet écosystème. Tu es appelé à être millionnaire, milliardaire dans l'écosystème. Mais il te manque certains petits trucs. Certains petits trucs, il te manque. Il te manque certains. Il nous manque certains petits trucs. Donc, franchement, c'est ces trucs-là que nous allons expliquer au fur du temps dans nos vidéos. Et mieux encore, décortiquer dans notre groupe VIP. Donc, ce nouveau Blue Rang va nous surprendre. Et elle est déjà en train de nous surprendre. Actuellement, il reste moins de 10 jours. J'ai dit moins de 10 jours pour le halving. Et vous savez ce qui se passe? On nous informe que c'est les mineurs qui sont en train de vendre les bitcoins. Mais c'est bizarre. Ces mêmes mineurs dont leurs récompenses seront diluées, seront diminuées. Après le halving, ces mêmes mineurs courent pour aller vendre leurs bitcoins. Mais ils ont peur de quoi? Ou bien ces mêmes mineurs veulent nous faire croire pertinemment qu'ils ont envie de nous laisser gagner. Ou bien ils ont envie de nous faire croire que le marché... Les gars, le Bitcoin va repartir. Actuellement, le Bitcoin fait moins... Non mais franchement, moins 4% en 24 heures. Et on voit ça et on panique. Et c'est normal qu'on nous panique, nous les investisseurs nous paniquons. C'est pourquoi ce Blue Rang-là, beaucoup vont rater ce Blue Rang-là. Ou bien beaucoup sont déjà malheureusement... en train de rater ce Blue Rang là. Beaucoup sont déjà en train de le rater parce que ils se disent que non, le Blue Rang, non, tout va monter, les gars. Ce Blue Rang serait différent du cycle, du cyclage qu'on nous a appris par le passé. Ce Blue Rang serait très différent. Donc, les gars, ne nous attardons pas à attendre que les riches viennent nous dire que c'est le Blue Rang. C'est toi-même qui dois détecter ton Blue Rang. Et nous apprenons chaque jour dans notre groupe VIP comment savoir que tu es dans ton Blue Rang. Comment détecter ton Blue Rang? Oui, le Blue Rang serait individuel. Cette année, le Blue Rang ne serait pas général, mais elle serait individuelle. C'est pourquoi, pour commencer, je vous parle de cette information de la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande qui attaque Binance de gauche à droite, qui attaque l'échange de gauche à droite, cette même Nouvelle-Zélande a décidé de faire quoi? Ah oui, a décidé de ne pas être en retard dans l'écosystème de la crypto-monnaie. De ne pas arriver trop tard dans un monde déjà trop vieux. Donc, ils sont en train de voir le ministre du commerce en Nouvelle-Zélande est en train de voir comment il va faire
pour aussi manger vivant. Mais je me pose la question, toi, dans ton pays, là où tu es actuellement, est-ce que tes ministres de la finance, de l'économie, du digital sont en train de penser comment adopter les crypto-monnaies? Comment manger peut-être dans les crypto-monnaies? Ah oui, est-ce que, ou bien ils sont en train de faire une chasse, excusez-moi le terme, une chasse, hein, aux sorciers dans le question de la crypto-monnaie, les gars, franchement, franchement. C'est pourquoi chaque investisseur doit, hein, nous les crypto-investisseurs, tu dois savoir dans quel état tu dois rester où ça te serait avantageux. Aucun état ne va dire, à part le El Salvador, qui dit non. Non, mais franchement. Alors, je vais continuer ma vidéo. On va maintenant parler de Token Fee. Hey, les gars, il y a du nouveau. Hein. Le projet Token de Token Fee. Le projet Token de Token Fee actuellement. Hein? Oui. Moi, personnellement, j'aime faire des vidéos quand c'est comme cela. Peut-être vous n'avez pas remarqué. Hein? Vous n'avez pas remarqué. Quand le marché commence pas à reprendre, je ne suis plus animé à faire des vidéos. Non, sérieux, je ne suis plus animé à faire des vidéos. Vous avez remarqué que l'année passée, je faisais des lives. On faisait des lives chaque jour. Deux vidéos, une vidéo short, live. Mais c'était fatigant. C'était fatigant. Mais on aimait le rouge. Parce que c'est le rouge qui prépare le vert. Et dans le vert, on se prépare au rouge. Et quand tu comprends ce jeu de cache-cache, ce jeu de cache-cache, alors tu vas te faire beaucoup d'argent en crypto-monnaie. Alors, nous tous, nous connaissons le projet Token Fee. Ce n'est pas un nouveau projet pour quelqu'un ici. Hein. Si c'est un nouveau projet pour toi, mon frère, c'est parce que tu n'es pas un fidèle abonné. Hein. C'est parce que tu rates les vidéos. Et pour ne plus rater les vidéos, clique sur le deuxième lien de la vidéo. Tu vas tomber sur notre channel Telegram. Et télécharge Telegram si tu n'as pas encore Telegram. Et abonne-toi à notre channel pour être informé en temps réel. Je dis en temps réel de tout ce qui se passera dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Parce que nous faisons un bon travail. D'accord? Alors, les gars, je tiens à vous dire que le projet Token Fee de Token est un Real World Access. C'est-à-dire que c'est un token d'une entreprise, en quelque sorte, d'une entreprise, hein, physique. Dans les actions de façon digitale, si je peux le dire ainsi. Donc, c'est un RWA. Un RWA. Et nous connaissons tous, hein, les grands, hein, les pionniers de l'écosystème de la crypto-monnaie, qui sont les pionniers. Les pionniers de la finance traditionnelle, qui sont les BlackRock, les Fidelity, ils aiment ce genre de projet. Et le projet Token, alors, nous dit ceci. Alors, ils sont en train de se préparer, ils préparent, hein, beaucoup de choses pour l'avenir. Ici, des partenariats pour l'avenir. Et mieux encore, ils ont déployé, comme vous le voyez très bien, leur arsenal de développement pour un projet afin de faire gagner plus le. Alors, il dit d'abord, hein, le développement, hein, du token AMI. Il faut garder le floki pour gagner des token fees. Donc, AMI annonce qu'ils vont encore, hein, faire plus de marketing dans les jours à venir sur les réseaux. Il dit simplement que le programme de token est surchargé et ils font des propositions de staking. D'accord? De propositions de staking qui sera approuvé très prochainement, hein, au public. Ils sont aussi en train de nous dire, hein, en quelque sorte, qu'ils ont une stratégie pour motiver la communauté. Et non, mais ça va chauffer. Hein, pour motiver la communauté. Ils sont encore en train de nous dire, hein, que les utilisateurs, hein, qui laisseront leur token en stake auront des récompenses. Ils sont en train de nous dire qu'ils feront une proposition. Eh, je crois bien, la valeur minimum, eh, ça serait de 1000 dollars en token pour avoir certains avantages exclusifs. Alors, les gars, ces gars-là, ils ont décidé ils veulent, voilà, lancer leur fusée sur la Lune. Et je tiens à vous rappeler, c'est un RWA, le projet Token Fee. Un même quoi, RWA. Même Shiba, n'est pas RWA. Non, attention, vous allez comprendre tout à l'heure. Allez jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, il y a tellement de choses. Alors, quand nous prenons rapidement le smart contract, nous voyons qu'il y a déjà maintenant 44 000 holders. Les gars, je vous parle de 44 000 holders. Et ce projet est sorti récemment. Et je crois pertinemment que ce projet n'a pas encore dit son dernier mot. Le dernier mot de ce projet n'a pas encore été dit.
Donc, ça, la messe, la dernière messe n'a pas encore été dite. Et nous voyons un peu ceux qui sont en train de holder. D'accord? Hein, nous sommes. Floki, qui est, voilà, le pionnier de ce projet, elle est échangeur. Donc, on manque encore beaucoup de choses sur le projet TokenFi. Alors, je continue rapidement. Les gars, oui, ce nouveau Blue Rong va faire de nouveaux milliardaires ou de nouveaux millionnaires ou de nouveaux pauvres. Il y a ça aussi. Après, c'est à toi de choisir le camp qui te semble intéressant. On dit Hong Kong, hein, la Chine en quelque sorte va bientôt approuver ou bien va lancer ses ETF sur le Bitcoin. Nous savons que les États-Unis ont lancé récemment et en quelque sorte la Chine aussi va lancer pour elle. La Chine qui était contre les crypto-monnaies aujourd'hui hein, se rallie, hein, s'associe, hein, s'approche. C'est pourquoi je dis ce marché haussier là. Certains vont le voir mais ne vont pas savoir que c'est le marché haussier. Je vous jure. C'est pourquoi nous avons notre groupe. On a un groupe WhatsApp, un groupe Telegram. Donc, tu dois avoir Telegram. Et quand tu as Telegram, va remplir le formulaire de cliquer pour gagner ce formulaire-là qui te donnera accès à notre groupe Telegram après le paiement de 100$. Donc, mon frère, ma soeur, cours vite, hein, pour sortir les 100$ afin de ne pas rater ton marché haussier. On va te montrer le béaba. Les crypto-monnaies, les gars, c'est une question psychologique. Que les gens n'ont pas encore compris. Les gens pensent que c'est en achetant, en vendant seulement qu'ils vont se faire de l'argent. C'est un processus. Mais il faut te préparer psychologiquement d'abord. D'abord. Et c'est ce que nous donnons et c'est ce que nous disons. Alors, Hong Kong, aujourd'hui, se prépare. Nous connaissons la population de la Chine. Nous savons ce qu'ils sont capables de faire. Alors, à bon entendeur, salut. Maintenant, revenons maintenant sur. Il y a du nouveau sur Shiba. Hein. Il y a du nouveau. Pourquoi je cherche cette musique-là? Apparemment, hein, cette vidéo était exclusivement réservée pour le projet TokenFi. Mais on a mis Shiba dedans. Pourquoi? Parce que on sait que vous aimez ça. Je sais que nous aimons ça. Vous savez, oui, je crois bien que, les gars, sincèrement, je crois bien que l'équipe de Shiba suit cette chaîne-là. Regardez. Depuis qu'on a commencé par chanter la musique de Shiba, Shiba veut nous financer pour lancer l'album de Shiba. Qu'est-ce que tu en penses? On dit bonjour. Hein? Nous avons de l'énergie hein, pour ce jour-là, en quelque sorte, que ça change une journée productive. On dit, quelle musique vous inspire? Laissez ça. Hein? La musique qui vous inspire et qui vous donne une animation intéressante au cours de la journée. Celle-ci, ce n'est pas cette musique-là. Shiba, en avant, Shiba, Si c'est pas cette musique-là, c'est cette musique-là qui t'inspire, mon frère de Shiba. Alors, nous comprenons combien de fois, hein, en crypto-monnaie, tout est possible. L'équipe de Shiba essaie d'envoyer les ondes, en quelque sorte, hein, les ondes positives, hein, à sa communauté, à Shiba Armée, en les disant aussi, en quelque sorte, hein, de suivre les réseaux, le site officiel de Shiba. Etc. Mais j'ai quelque chose à dire à l'équipe de Shiba. Voilà la famille de Shiba. Ça, c'est le Bonk. Ça, c'est le je ne sais pas quoi. Ça, c'est la famille Shiba. Hein, la famille Shiba est réunie. Mais les gars, vous savez, moi, je pense réellement. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu en penses. Je pense réellement à mon point de vue, à mon humble point de vue, hein, que l'équipe de Shiba doit se concentrer plus sur hein, quelques monnaies. Parce que tantôt on dit encore une monnaie de Shiba, tantôt on dit encore qu'il y a une monnaie de l'écosystème de Shiba, et nous voyons ce que le Shiba devient. Hein? Tantôt elle essaie de mettre la tête vers le haut, tantôt elle redescend. Et nous, ceux qui ne sont pas... On a fait une vidéo récemment, où dans cette vidéo, on a soulevé une inquiétude très importante. Hein? Oui, ça ne semble pas bon pour Shiba. Et Shiba Coin et Shiba Rio. Oui, dans cette vidéo, vous allez voir clairement que ce n'est pas encore trop ça. On doit plus se concentrer. Hein? Qu'est-ce que toi, tu en penses? Qu'est-ce que tu penses que Shiba peut revenir à son ancien ATH? Laisse-moi un commentaire de cette vidéo-là, s'il te plaît. Hein? Est-ce que selon toi, tu ne penses pas que l'équipe de Shiba doit plus se focaliser hein, sur quelques-uns de ses produits et arrêter de créer des monnaies de temps en temps dans son écosystème et plutôt faire développer l'écosystème déjà ce qu'elle a déjà en place. Les gars, préparez-vous parce que moi je crois pertinemment que s'il arrivait que les institutionnels, peut-être qu'ils le font déjà, les institutionnels veulent se lancer dans les crypto-monnaies, surtout dans les mêmes coins, je crois bien que Shiba fera partir, hein, après le Dogecoin bien sûr, des mêmes coins qui pourront sélectionner peut-être mieux encore le projet TokenFi
que j'ai montré ici tout à l'heure. Donc, il y a tout cet aspect-là, toute cette analyse que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de préparer. Peut-être, j'ai dit peut-être, peut-être, sans rien garantir ni rien confirmer, tout peut être possible en crypto-monnaie. Crypto-investisseur, si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, donne le j'aime à la vidéo. Merci beaucoup pour ton j'aime. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi parce que c'est l'une des rares chaînes qui va t'informer et l'une des rares chaînes qui va te former pour ceux qui veulent se former enfin de profiter de ce boulot long qui arrive. Pour être millionnaire ou milliardaire, dépendra de combien tu auras investi pour acquérir ces millions ou ces milliards. Alors, on se dit de l'autre côté dans le groupe VIP et à la prochaine et ciao.